Alors juste avant de commencer la vidéo, il y aura un petit trailer, voilà, de Reflesia qui est un serveur PvP faction. Du coup voilà, ce trailer est bien sûr rémunéré pour ma chaîne. Là normalement je vais bientôt avoir des nouveaux renders pour mes miniatures. Et normalement j'ai demandé à celui par exemple qui a fait la bannière et le logo de Darkcraft, voilà, de m'en faire aussi une. Du coup ici voilà, il y aura un code promo de -5% sur la boutique du serveur, voilà, avec le code SonrayYouTube. Toutes les informations seront en description. Je vous laisse avec le trailer et ensuite il y aura la vidéo. Bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, ça sonnerait, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sûrement sur un fond de Funcraft. Et aujourd'hui on va parler un peu de ce qui se passe au niveau des youtubeurs Funcraft. Bien sûr, juste avant la vidéo, petite augustie de likes, voilà, 200 likes, ça ferait extrêmement plaisir qu'on puisse les atteindre. Voilà, ça permet un meilleur référencement de mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner parce que plus des 3/4 de ceux qui regardent ma chaîne, de ceux qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu des youtubeurs Funcraft, tout simplement un peu le constat qu'il y a sur Funcraft au niveau des youtubeurs, au niveau des vidéos, au niveau des vues aussi. Voilà, on va faire un peu un petit constat. Parce qu'en fait, je remarque qu'il y a beaucoup moins de vidéos sur Funcraft des gros youtubeurs, on va dire. Est-ce que tous les petits youtubeurs, pour moi les petits youtubeurs c'est entre allez, entre 0 abonnés et à peu près 1000. Pour moi ça c'est un peu des petits youtubeurs. Mais au dessus de ces 1000 là, il y a vraiment pas beaucoup de youtubeurs qui font beaucoup de vidéos. Mais ça on va voir ça juste après pour les youtubeurs. Là on va faire déjà une première partie au niveau de Funcraft. En fait c'est à cause de Funcraft que les gros youtubeurs ne peuvent tout simplement plus faire de grosses vidéos comme avant. Alors déjà c'est tout simplement déjà dans les modes de jeu, parce que les modes de jeu sont dépassés. Voilà, les modes les plus joués sont le Rush, l'Icabrain et le Skywars. Dans ces trois modes là, bah tout le monde a déjà fait des vidéos, tout le monde a déjà fait. Il n'y a plus de nouveaux concepts. En fait on est obligé des fois de reprendre des anciens concepts qui datent de 2016 et tout ça pour refaire des vidéos. En fait tout simplement l'inspiration manque. Toutes les vidéos ont déjà été faites par les anciens gros youtubeurs, par exemple comme Cafworld, Splashware, Byslide, enfin des Shazen, enfin des gros youtubeurs qui étaient là en 2016-2017. Alors maintenant nous, la nouvelle communauté Funcraft, qui est tout simplement Darkcraft, Ikawi, bon c'est un ancien mais il est toujours dedans, Ikawi, je sais pas, Vanoblo, Ponutella, Nabash, voilà, des youtubeurs comme ça. En fait le truc c'est qu'on arrive derrière eux. Et le problème c'est que les jeux les plus joués étaient là avant. Et en fait les nouveaux jeux, là on aurait pu se démarquer des anciens youtubeurs, sont le Land Rush et l'Octogone. Et peut-être l'Infecté V1 qui va sortir, enfin je sais pas quand. Parce que normalement il y avait des tests et tout ça, ça fait un mois que normalement il aurait dû sortir, mais il est toujours pas sorti. Et normalement il y a le PvP Box, ce qui va arriver, mais ça on sait pas encore la date. En fait on aurait pu se démarquer sur ces jeux là. Bah l'Octogone, il y a 30 à 40 joueurs qui jouent dans ce mode. Et le Land Rush, il y a plus personne qui y joue non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement ces modes là sont délaissés. L'Octogone, il y a eu une mise à jour une semaine après sa sortie pour que l'arbitre choisisse automatiquement un objet. Et ensuite il n'y a plus rien eu au niveau de l'Octogone. Si, il y a eu l'effet de speed et tout ça, et un peu des effets d'épée et tout ça qui ont été modifiés, mais c'est tout. Le Land Rush, je sais même pas s'il y a eu une mise à jour dessus, je sais pas du tout. Donc voilà, en fait ces jeux là sont laissés à l'abandon par le staff. Et on sait pas ce qu'ils font. Pendant un moment
moment ils ont sorti plein de jeux, plein de nouvelles mises à jour, voilà le rush, ils l'ont modifié tout ça, et maintenant il n'y a plus rien, voilà, on dirait qu'on retombe un peu dans l'époque à 2016-2017 où ils font plus rien, ils ont juste rajouté lui Cabrain et c'est tout. Donc voilà, si le SAF ne sort pas de nouvelles nouveautés, on peut pas faire tout simplement de vidéos, c'est impossible. Ou alors il faut reprendre des concepts, mais si on reprend d'anciens concepts, dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire ah, ça a déjà été fait, tout ça, c'est du revu. Et voilà quoi, on peut plus faire de nouvelles vidéos. Maintenant, le constat au niveau des youtubeurs, c'est très simple, vous allez sur leur chaîne. On va prendre l'exemple, on va dire, allez, Nabashi par exemple. Enfin, non, en vrai, en un mois, il en a sorti 3, mais on va prendre à peu près les 2 mois, voilà, il en a sorti 5. La première, c'est comment je fais mes astuces, voilà, donc ça parle pas de Funcraft. La Katsuki a vaincu en Land Rush, parce que le Land Rush venait juste d'être sorti, donc il a fait une vidéo dessus, donc première vidéo Funcraft. Deuxième, Funcraft critiqué par un Allemand, tout simplement, ça c'est un peu une nouveauté quand même, parce qu'en fait, c'est un Allemand qui critique. L'avant-dernière, c'est qui Mitashi. Voilà, Mitashi, c'est une personne, je sais pas du tout qui c'est parce que j'ai pas regardé la vidéo. Mais voilà, ça parle pas vraiment de Funcraft, ça parle de Mitashi. Et la deuxième vidéo Funcraft, c'est simplement les 3 meilleurs modes pour Funcraft. Mais là, ça parle plutôt des modes pour Funcraft, mais ça parle pas de Funcraft en lui-même. Mais bon, on va dire quand même qu'il y a sur les 5 vidéos, il y a eu 2 vidéos sur Funcraft. Maintenant, on va parler de pot de Nutella. Voilà, on va prendre les 5 dernières vidéos qu'il les a fait. Voilà, poème pour Steeler au théâtre. Bon, ça, bien sûr, ça c'est un truc qu'il a eu parce qu'il s'était fait ban. Donc, c'était une opportunité pour lui de faire une vidéo. Ensuite, énorme raid, les Steeler envahissent Funcraft. Bon, ça, c'est une vidéo troll. Donc ça a été aussi déjà fait je crois par Meshoué, des trucs comme ça, enfin je sais pas trop si ça avait déjà été fait comme truc, mais je crois que oui, il y a eu déjà plusieurs raids de serveurs. Ensuite là il fait une vidéo avec des bâtons de KB sur Funcraft. Bon, ça c'est déjà un truc aussi vu, où les admins des fois par exemple avec Kaforl et tout ça, ils donnaient des underpearls ou des trucs comme ça en rush, donc ça aussi c'est du revu par exemple. Et ensuite il annonce tête du Fortnite, donc ça on va parler dans une prochaine partie. Bon, attends, on va parler un peu des youtubeurs qui font vraiment que du Funcraft. Par exemple, on va aller voir Emrose. Lui est très actif sur Funcraft, mais le problème c'est par exemple lui c'est des vidéos déjà faites, parce qu'il reste que sur un seul mode qui est le Skywars, et le Skywars vraiment quasi tout a été fait. Soit il parle des tournois de Skywars, mais voilà, ça c'est des trucs qu'il y en a déjà eu. Ou alors par exemple des fois il fait des défis, ou alors il raconte le nombre de points qui sont énormes, il a 500 000 points en Skywars quand même. Voilà qu'on va regarder ma chaîne, Pactify V2, ça c'est pour Pactify, c'est pas pour Funcraft. Le retour du PvP Faction, le fond de gameplay c'est du Funcraft, mais ça parle pas de Funcraft. Le retour du PvP Box, là oui ça parle de Funcraft parce que je parle d'un nouveau mode qui va arriver. Enfin, un free one c'est du potion, et les solutions pour faire plus de vues sur Minecraft, ça parle de l'UHC. Maintenant la deuxième partie, c'est simplement qu'en fait maintenant les youtubeurs vont se tourner, voilà, c'est tout simplement la grosse erreur de Funcraft. Là Funcraft va perdre vraiment beaucoup de youtubeurs, c'est simplement parce qu'en fait les youtubeurs vont se tourner vers de nouvelles communautés. Bon, Ponutella va peut-être se tourner vers Fortnite. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se sont tournés vers Fortnite parce que c'est le jeu qui marche. Voilà, les anciens gros youtubeurs, Kaforl, Meshoué, NeverSayYes, voilà tout ça, Byslide, ils ont été sur Fortnite parce que Minecraft, il n'y avait plus rien à faire dessus. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec tout simplement Funcraft. C'est que maintenant, les youtubeurs vont peut-être aller retourner sur Fortnite ou aller sur d'autres jeux. Ou alors changer de communauté. Peut-être ils vont aller sur du PvP Faction, modé par exemple. Ou alors ils vont aller sur de l'UHC qui est très probable. Bon, je sais que Vanoblue souhaite se reconvertir en UHC pour l'instant. Parce que je pense qu'il en a un peu marre des rushs et tout ça. Il sait plus trop quoi faire dessus. Et je pense pas que ce sera le seul youtubeur. Parce que moi, je pense vraiment peut-être à la reconversion. Parce qu'il n'y a plus grand chose à faire sur Funcraft. Peut-être retourner à du PvP Faction, je sais pas du tout ce que je vais faire, je vais peut-être en faire une vidéo. Donc voilà, c'était une petite vidéo explicative, voilà, pour vous montrer ce qui se passe en ce moment sur Funcraft. Voilà, c'est assez alarmant. Je pense que les admins devraient se dépêcher soit de sortir un nouveau mode, soit de faire de nouvelles mises à jour, ou soit carrément de sortir Pactify. S'ils sortent Pactify, je pense que ça pourrait faire revenir beaucoup de youtubeurs. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui attendent ça. Il y a Shazen et tout ça qui attendent vraiment de retourner dessus. Ikawi, Darkcraft et tout, ça pourrait faire vraiment revivre la communauté. Mais le problème, c'est qu'ils décident peut-être d'améliorer Pactify. En attendant, ils perdent vraiment beaucoup de joueurs. Et ça, c'est qui tout double en fait. C'est qui tout double pour le staff. Donc voilà, juste avant de quitter la vidéo, voilà, je vous annonce que cette vidéo normalement elle sort vendredi, je la tourne jeudi, elle sort vendredi, donc le lendemain. Et la prochaine vidéo ça sera mardi, voilà, je suis désolé, voilà, j'ai des soirées et tout ça, j'ai ma copine, voilà, on est en vacances, donc il faut que j'en profite un peu quand même. Donc la prochaine vidéo ça sera mardi, voilà, j'en suis vraiment désolé. Donc, voilà, si tout vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. On vise les 15 000 abonnés avant la fin de l'année, je sais qu'on en est capable. 200 likes, voilà, l'objectif. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Partagez cette vidéo à un maximum de personnes, suivez-moi sur Twitter et sur Discord, voilà, les liens sont en description. C'était tout pour moi. Allez, ciao, bye les gens.